Le Hamas a accepté la résolution de l'ONU sur un cessez-le-feu et est prêt à en négocier les détails, mais il insiste sur la responsabilité d'Israël dans la mise en œuvre de la résolution. Lundi, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté une résolution proposée par les États-Unis visant à parvenir à un accord de cessez-le-feu global en trois phases pour mettre fin au conflit à Gaza. Israël affirme que la réponse du Hamas à la proposition de cesser le feu équivaut à un rejet, car il prétend que le Hamas a modifié tous les paramètres importants. Les États-Unis, eux, indiquent qu'Israël a accepté leur proposition, mais Tel Aviv n'a pas encore annoncé officiellement sa position.